Si tu obéis à la voix de Dieu, qu'est-ce que la voix de Dieu dit? La voix de Dieu, c'est quoi? Prophète. Amen. Le mois de février vous dit quelque chose? Le 17 février vous dit quelque chose? Pardon? Avance, prophète. Il est né le 17 février. Elle okay. est née le 17 février. Elle est née le 17 février. Prophétique, ça date. Avance, prophète. Alors que le prophète parle de la date, alors que le prophète prophétise ici, si la personne est là, je cherche quelqu'un qui, dans deux jours, sera son anniversaire, le 18 avril. Le 18 avril. Prophète, avancez. Mais vous êtes là le 18 avril. Avance, prophète. Venez. Pour ça, nous sommes dans le 18 avril. Le ciel est ouvert à la maison ce matin. Yes. Là, ce n'est pas le pasteur Mpoy qui me coupe. Ce n'est pas Maman Doudou qui fait le petit mot. Mais c'est le Seigneur qui me dit, tu as 15 minutes. Mais le reste de temps, tu as deux serviteurs qui vont monter et qui doivent faire le service. Je parle à quelqu'un ce matin et je dis à la personne, si tu obéis, si tu obéis à la voix de Dieu, qu'est-ce que la voix de Dieu dit? La voix de Dieu, c'est quoi? Prophète. Est-ce que quelqu'un peut joindre ses deux mains et acclamer pour le Seigneur? Je ne peux pas réaliser la profondeur de ce message. Non, ta façon d'acclamer, c'est comme si tu ne réalises pas. La bénédiction y est. La déclaration a été déjà dans les airs. Cours, prophète. Votre milieu professionnel devient petit à petit un danger pour vous. Votre cercle d'amis devient un problème pour vous. Je ne vous ai pas appelé pour vous dire tout ce que je vous ai dit. J'étais en train de me rassurer que je parlais à la bonne personne. Et j'étais en train de vous permettre de voir la personne. Vous allez vous rappeler, vous allez voir. La voix de Dieu, comme maman vient d'enseigner. En cette saison, surtout dans cette période, évitez des fréquentations quand ce n'est pas important. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une gloire qui arrive dans votre vie. Dans votre vie professionnelle, vous avez raté beaucoup de choses à cause de votre statut. Et en principe, après votre mariage, il devait y avoir un déclic. Mais vous avez l'impression, rien n'a changé. En réalité, les choses ont changé spirituellement. Mais physiquement, c'est sur le point d'arriver. Et ceux qui ont l'œil spirituel ouvert ont vu ça. Et ils ne peuvent pas empêcher la main de Dieu de travailler. Et ce que maintenant ils peuvent faire pour vous faire rater ça, c'est de vous ôter la vie. Ou bien de vous faire partir du travail. Et Dieu m'a dit, si vous avez été sentimental à une période, c'est bon. Mais en cette période, ne jouez pas avec votre vie. Après le travail, la maison. Surtout que vous venez de vous marier, il n'y a même pas une année. Boulot, palais. Boulot, palais. Que Dieu vous bénisse. Prophète. Vous allez bien? Vous allez bien? Est-ce que quelqu'un sait qu'il y a Dieu en ces lieux? Il est là, prophète! Comme le prophète était en train de le dire, ce que Dieu est en train de faire ici, il le fait aussi pour toi de là où tu es. Amen! Quand tu acclames pour ce que Dieu est en train de faire ici, il le fait aussi dans ta vie. Amen! 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 Le mois de février vous dit quelque chose? Le 17 février vous dit quelque chose? Pardon? Avance, prophète! Avance, prophète! Le 17 février vous dit quelque chose? Oui, oui. Il est né le 17 février. Elle okay. est née le 17 février. Elle est née le 17 février. Prophétique, ça date. Avance, commencer. Prophète. Alors que le prophète parle de la date, alors que le prophète prophétise ici, si la personne est là, je cherche quelqu'un qui, dans deux jours, sera son anniversaire, le 18 avril. Le 18 avril. Prophète, avancez. Mais vous êtes là le 18 avril. Prophète, venez. Le ciel est ouvert à la maison ce matin. Avance, prophète. Le ciel est ouvert. Dieu est en train de me dire qu'il va vous bénir en cette saison parce que vous avez un cœur pour les âmes. Amen. Vous avez un cœur pour les âmes. Amen. Donc vous êtes vraiment passionné pour la moisson. Vous êtes passionné pour la moisson.
Mais le Seigneur est en train de me dire que ça a été un long combat. C'est passé par un long combat. Là, je parle de la vie professionnelle. Je vois que même la montée était vraiment un problème. Mais en cette saison nouvelle, le Seigneur est en train de me dire, à cause de votre cœur, pour l'œuvre de Dieu, il va changer des choses dans votre vie professionnelle. Amen. Il va vous bénir. Il va vous bénir. Je suis en train de voir un pasteur que Dieu est en train de préserver qui est lié à vous. J'entends le nom de pasteur. J'entends Edgar. Mon père. J'entends Edgar. C'est mon père. J'entends avance, prophète. Je vois un pasteur. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il y avait comme une flèche qui était tournée pour faire tomber cet homme. Il y a comme une flèche qui était tournée pour faire tomber cet homme. Je vois cet homme comme en train d'être vraiment attaqué par la maladie. Je le vois vraiment attaqué par la maladie. Mais le Seigneur est en train de me dire en cette saison, à cause du service que cet homme a eu à faire, à cause des choses que... Voilà pourquoi il faut servir Dieu. Amen. Voilà pourquoi il faut obéir à la voix de Dieu. Yes. Parce que tu ne sais jamais là où ton obéissance va crier au trône de Dieu afin de te protéger. Je me tiens en ces lieux et je déclare que Dieu est en train de protéger Pasteur Edgar. Yes. Quand je parle de Pasteur Edgar, on me montre une autre femme. J'entends le nom de Paula. Avance, prophète. J'entends Paula. Je suis en train de voir Paula en train d'avoir quelque chose sur la respiration. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que en cette saison, le diable voulait faire monter l'asthme dans sa vie. Tu vois de quoi je parle? L'Esprit de Dieu est en train de me dire que l'asthme allait monter pour la faire tomber. J'ai comme l'impression que Dieu est en train de guérir beaucoup de gens dans ta famille. Amen. Parce que quand je parle de l'asthme, Dieu me dit qu'il guérit aussi Daphné. J'entends Daphné. J'entends Daphné. Elle est la main de l'Esprit. Je déclare que sur toi aussi, yes. Personne ne mourra au nom de Jésus-Christ. Amen. Les flèches de l'ennemi qui ont été dirigées dans ta famille, yes. Contre tes membres de famille, yes. Contre ta famille, yes. Cela n'aboutira pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis dans une vision. Je suis en train de voir un esprit satanique qui réclame des enfants dans votre famille. Je vois une femme qui vient de pleurer un enfant. Il n'y a pas longtemps. Je vois un petit garçon qu'on est en train de pleurer. J'entends ce matin. Et cet esprit est en train de se tourner vers toi. Je déclare qu'aucun de tes enfants ne sera touché. Aucun enfant autour de toi ne sera touché. Aucun enfant dans ta famille ne sera touché. Et cela au nom de Jésus-Christ. Déborah, c'est qui? Déborah, ma petite soeur. La même onction qui est en train de descendre maintenant est en train de réguler beaucoup de choses dans la famille. Je vois des mariages commencer. Je vois une saison de mariage commencer. Tu sais de quoi je parle? Ce domaine a été combattu. Dieu est en train de me dire que la femme qui combattait cela était morte il n'y a pas longtemps. Est-ce que je peux prophétiser ce matin? Avance, prophète. Est-ce que je peux parler de la part du Seigneur? Avance, prophète. Cette femme est morte il n'y a pas longtemps. Moi, vous savez de qui il s'agit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans la sphère spirituelle, les démons ont continué à fonctionner avec ces choses-là. Mais ce matin, je me tiens en ces lieux comme prophète. Je me tiens comme fils du prophète. Je déclare au nom de Jésus que toute malédiction qui avait été prononcée dans ta famille tombe maintenant. Dieu m'a dit, il y a l'évangélisation, mais donne-lui le prophétique. Lève tes mains. Ferme tes yeux. Je ne te touche pas. L'Esprit de Dieu est sur toi maintenant. Maintenant. Yes. Maintenant. Yes. Maintenant. Yes. Maintenant. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu?